Est-ce que vous savez que nous avons envie de convoquer Dieu? On a envie de convoquer Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Et ce qui peut nous réconforter, c'est que Jésus lui-même, sur la croix, a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est vrai Dieu, mais vrai homme. Il est totalement Dieu et totalement homme. Jésus a eu faim comme vous et moi. Oh, il s'était énervé contre un pauvre arbre. Un figuier. Donc vous comprenez qu'il a même éprouvé des sentiments. Il a pleuré, il aimait Lazare. Ça me réconforte en tant qu'être humain. Et parce que je vois tellement de chrétiens parfois dire à d'autres chrétiens, tu n'as pas la foi, c'est pas possible, ou tu as peur de quelqu'un. Ne pleure pas, un chrétien ne pleure pas. Qui vous a dit ça? Le plus important, c'est après de tourner toujours son regard vers le Père. Et dans les situations les plus difficiles de ma vie, je tourne mon regard vers le Père. Alors on reçoit vraiment une force d'en haut. Et c'est grâce à la force d'en haut que Marie a pu tenir. L'épreuve peut nous enseigner beaucoup de valeurs divines. Et parce que Dieu nous construit autrement. Nous avons une autre idée du divin. Mais Dieu nous construit parfois par des choses terribles. Je peux vous le dire. Vous savez, mon ami Job dans la Bible, Job est un homme juste et bon, mais c'est seulement au chapitre 42, au verset 5, qu'il va dire, « Je te connaissais par un oui-dire, désormais mes yeux t'ont vu. » Alors, comment comprendre qu'un Dieu si bon, et même dans la langue africaine, quand on parle de Dieu, on dit « le bon Dieu » partout. Et quand les villageois en Afrique parlent, ils disent « Dieu est bon ». Mais ce Dieu si bon qui a regardé son peuple pendant au moins 450 ans et a vu son peuple souffrir, mais on peut se dire, mais Dieu, tu es si bon, mais pourquoi tu as laissé faire? Et nous nous interrogeons, frères et sœurs. Et c'est pas païen de s'interroger, se dire, mais pourquoi? Mais ce qui est important, c'est de comprendre ce que Dieu a permis. Mon Dieu peut permettre. Et Jacques, mon ami Jacques, vous savez Jacques, j'aime beaucoup Jacques. Il dit, ne dites pas c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais ce sont vos mauvais penchants qui vous tentent. Et donc il y a ça, il y a le fait que on peut être tenté parce qu'on n'a pas une assise spirituelle et on peut entrer dans une souffrance qui ne va pas construire notre vie. Et donc, on peut se poser beaucoup de questions. Donc, je peux être tenté par mes mauvais penchants. Je veux avoir quelque chose qui n'est pas pour moi. Alors, mon ami Jacques dit que... Et quand vous êtes tenté, ne dites pas « Dieu me tente ». Vous voyez la rectification pastorale que nous avons fait concernant, quand nous, je dis l'Église, nous avons fait concernant notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ne nous laisse pas entrer, c'est-à-dire défends-nous, Seigneur. Et donc, je peux souffrir pour moi-même. Jacques plutôt va le dire, Pierre va le reprendre avec force. Il dit « Si vous souffrez, ne souffrez pas parce que vous êtes des voleurs. » Et combien de chrétiens je rencontre qui souffrent tellement et qui vous voyez la souffrance et vous leur dites, mon frère, que se passe-t-il? Quand ils vous racontent leur histoire, tu dis, mais laisse tomber telle chose, laisse tomber quelqu'un qui vient, qui entretient trois femmes, je n'arrive pas à boucler le mois. Vous dites, bon, mais donc tu as une femme à la maison et tu as d'autres. Oui, mais je n'arrive pas à boucler le mois. Et je lui dis, et pour boucler le mois, laisse les deux autres. Vous voyez, on peut souffrir pour ça. Et je vois aussi des chrétiens qui portent des sujets de prière. Oh Seigneur, donne-moi cet homme, donne-moi cet homme, donne-moi cet homme, donne-moi cet homme. Et je vous dis, frères et sœurs, une chose, Dieu ne te donnera jamais ce qui ne t'appartient pas. Le ciel est un territoire spirituel. Rituel très bien organisé. Nous avons des comptes au ciel, nous avons tout notre héritage. Ce qui ne t'appartient pas, Dieu ne te donne pas. Qu'on arrête de dire aux chrétiens d'insister dans la prière de demande, Dieu finira par vous donner. Si Dieu vous donne, c'est parce que cela vous appartient. Et c'est très important de comprendre ce genre de choses. Dieu ne vous donnera jamais ce qui ne vous appartient pas. Donc, ce n'est pas la peine d'insister. Il faut plutôt se soumettre au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous oriente dans une prière chrétienne et que le Saint-Esprit nous fasse
prier selon la volonté de Dieu. Et cela est très important. Quand vous dites ça aux chrétiens, ils ouvrent leurs yeux pour vous regarder. Parce que tellement on leur dit que par la prière, on peut obtenir des choses. Non, par la prière, j'entre en contact avec le Saint-Esprit et qui m'oriente dans ce que Dieu a déjà prévu pour moi. Et qui me fait entrer dans le kairos, c'est-à-dire l'instant de Dieu pour recevoir des choses.